petits amis, vous avez l'air d'humeur sportive aujourd'hui. Mais allez-y, rentrez, regardez, j'ai installé le capteur Kinect tout là-bas. Ça veut dire qu'on va faire du sport aujourd'hui. Même pas de la danse, hein. On va pas jouer à Just Dance ou des trucs comme ça. Non, on va jouer à Shape Up d'Ubisoft, un jeu qui va nous faire remuer nous autres geeks. Vous savez que pour nous faire remuer, il faut quand même se lever de bonne heure. Bah là, c'est un vrai truc de fitness, sauf qu'on va vraiment faire des exercices en s'amusant avec des petits défis vraiment, vraiment rigolos. Donc franchement, même moi qui aime pas faire du sport, j'avoue que ça donne super envie de s'y mettre. C'est crevant, vous verrez dans quel état je vais terminer ce chez Marcus, mais franchement, ça vaut le coup. Regardez, tout de suite, je vais faire quête d'entraînement. Voilà, on peut faire aussi des parties rapides, affronter des gens et tout, mais je voudrais vous faire voir qu'il y a un vrai suivi et qu'on peut vraiment suivre ce qui se passe. Bon, alors j'ai commencé qu'hier, donc évidemment c'est un peu léger, mais regardez, il y a déjà ma progression va se faire au fil des semaines. Il faut que je gagne des petits éclairs, ces trucs là, et j'ai un objectif hebdomadaire. Là, je suis pas loin d'avoir rempli mon objectif hebdomadaire. Donc je suis quand même assez content de moi, puisqu'en une seule soirée, une seule journée en fait, j'ai presque rempli mes objectifs. Regardez, j'ai tout ça à faire, ça c'est les petits exercices qu'on va me proposer aujourd'hui. Je vais peut-être pas tout faire, j'irai vous faire voir d'autres choses, mais juste pour le principe, on va suivre ce que me dit mon coach. Le tempo maudit, avec mon coach. C'est mignonne comme tout, je vais reculer un peu comme ça on la verra. Elle est énervante parce qu'elle arrive vraiment à faire plein de trucs. Comme j'ai déjà joué, on peut voir mon replay, donc on peut voir un peu ce qui s'est passé les fois d'avant, ça c'est moi. Donc je vais charger mon replay. Donc déjà d'une part, je vais apparaître à côté de moi-même, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez que j'étais en pleine forme hein, quand même hier soir. Il va s'arrêter, non? Il continue en boucle, très bien. Et du coup, je vais jouer, au lieu de voir le coach, on va me voir moi en action quand j'ai fait mon premier shape-up. Et on va voir si j'arrive à faire mieux que la dernière fois. Du coup, je joue contre mon propre fantôme. Regardez, c'est moi là de l'autre côté. Alors attention, c'est parti. Il faut que je saute en rythme sur ces petits trucs. Pour le moment, ça va, c'est deux pieds joints. Après, c'est pied gauche, pied droit. Les deux écartés. Serré. Faites bien, faut bien suivre le rythme. Et là, on passe en mode surf. Regardez, je me balade comme ça pour essayer de... Oh, faut que j'esquive les trucs rouges. Et bien sûr, il faut que je récupère les trucs jaunes. Voilà. Attention, on est reparti pour un tour. Donc mine de rien, là, ce que je fais, c'est du step. Ça fait du step dans tous les cours de gym. Jamais je foutrais les pieds dans un cours de gym, seulement à la maison devant ma console. Évidemment, j'ai envie d'essayer. Faut que je m'économise parce que si je parle en même temps, évidemment, c'est pas prévu pour. Tu vas être encore plus vite essoufflé. C'est n'importe quoi ce que je fais. Oh, le surf. Récupérer le max de trucs, éviter les merdouilles. Vous voyez, je me penche vers l'avant, c'est bien fait quand même, on se voit à la télé. Incroyable, j'ai la couronne, ça veut dire que je suis meilleur que mon avatar la dernière fois. Je fais mieux que la dernière fois. Hop, 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 hop. On peut constater que mon avatar se débrouillait pas très bien hier. Alors là, c'est moi, mais ça pourrait être vos amis qui vous envoient leur replay. Comme ça, vous jouez contre les amis. Vous voyez déjà, on souffle. Et déjà là, je sens que ça travaille dans les mollets. Alors, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné la coupe? On va voir ça tout de suite. Oh non! Il a eu la coupe! Et moi, je prends un gros coffre sur la tronche. Eh ben, je suis un petit peu dégoûté. C'est dommage. Je vois pas, il y a une injustice. Il y a quelqu'un! On verra ça plus tard. Bon, suivant. Donc voilà déjà, un petit challenge. De fait. Donc oui, il fait un quart d'heure de ça par jour. C'est pas mal, hein. Alors, voilà. Je gagne quelques éclairs. J'ai pas mis mon score, ça m'étonne. Le train d'enfer maintenant. Donc ça, c'est vraiment marrant parce que t'as du mal à me voir, mais je suis là pourtant. Alors ça, c'est Kinect, hein. Même le nouveau, des fois, il a du mal à vous repérer. Mais ça se passe bien quand même. Regardez bien, on me voit.
me voit. On voit la coach qui esquive le train. Elle est beaucoup plus gracieuse que moi. Je vais prendre mon replay, encore une fois, parce que j'ai déjà joué. Donc là, je vais pouvoir jouer contre moi-même au lieu de jouer contre le coach. Il faut juste que Kinect trouve ma main. Voilà. Vous voyez les replays disponibles. Là, c'est mon meilleur temps, mon meilleur score. Et ça, c'était mon premier essai. Donc, je vais essayer de... Bon, allez, on va prendre mon meilleur score et je vais essayer de faire mieux. Vous voyez, moi, j'ai pas peur du challenge. Je suis comme ça. Et ça, c'est ma petite danse de la victoire. Une fois que vous... Mon Dieu. Une fois que vous finissez une épreuve... C'est classe. Je peux faire un petit numéro de danse. Une fois que vous finissez une épreuve, vous enregistrez votre petite danse de la victoire. Ça permet de... Comment dire ? De défier vos amis, évidemment, parce qu'on peut jouer en ligne. Vous envoyez un défi à vos potes et on voit qui fait le meilleur score et on voit la vidéo de l'autre. C'est surtout ça. Ne jouez pas en slip, soyez sympa pour vos amis, pensez-y. N'oubliez pas que vous êtes filmé par Kinect quand vous faites tout ça. Là, il va me filmer. Donc, je suis sur le toit d'un train. Il faut que je cavale en évitant les obstacles qui vont arriver en face de moi. Donc, ça y est, on est parti comme une fusée, mon tricop. Là, je me baisse pour éviter les ennuis, la poutre. Le cours, hop, me baisse encore. J'essaie de courir plus vite, ça y est, regardez. Oh, ouf, j'ai sauté juste à temps. Vous avez vu que j'ai doublé mon avatar. Du coup, j'ai une couronne au-dessus de la tête, ça veut dire que je suis en train de faire mieux. Cette couronne, je veux la garder jusqu'au bout. Ouh, c'est chaud. Allez, on continue. Je me baisse. Plus vite, je dois t'y voir. Là, alors attention, là c'est le tunnel. On se baisse pour éviter les ennuis. Oh, et on recouvre. Pour le moment. Vite. J'esquive. C'est pire qu'un jogging. Mais au moins c'est rigolo. C'est rigolo. Ah, je ne ferai jamais du jogging dans la vraie vie, mais là, si c'est drôle, hop, ça donne envie. Mais non, j'ai pas été doublé par mon avatar. Ouh. Ouais, alors là, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Encore. Ouh. De l'autre côté. C'est quand je m'entraînais, évidemment, je ne parlais pas. J'essaye de me tuer. Je crois que ma console essaye de me tuer. Oh la vache. Ouh. On le sent bien dans les jambes, les petits amis, croyez-moi. Oui, je vais finir en transpiration hier soir. J'ai failli aller prendre une douche, je l'ai pas fait, mais j'aurais vraiment dû. Alors, danse de la victoire, elle est à qui la couronne? Ah oui, ça arrête, fais-moi le malin, tiens. Danse avec une bombe, c'est pas danse avec les loups, c'est danse avec une bombe. Ah, c'est qui le plus fort maintenant? On est petit, on s'écrase, on la ramène pas trop. Hein. Ah, franchement, elle est méritée cette couronne, vous trouvez pas, les petits amis? Et il continue à danser, cet andouille, incroyable. Bon, super. Bah, vous voyez, j'ai battu mon propre record. Arrête. Tu te donnes en spectacle. Tu arrêtes tout de suite, s'il te plaît. J'ai battu mon propre record, donc il y a quand même une certaine satisfaction. Et je vais faire un nouveau replay, c'est-à-dire une nouvelle danse de la victoire, comme celle que je faisais tout à l'heure. On va faire autre chose, peut-être. Attention. Danse de la victoire. Ha ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà. Ouh. Donc ça accompagnera mon prochain replay. Quand quelqu'un voudra jouer contre moi, il verra cette danse de la victoire et il verra mon score. Eh, je suis pas mal. Donc vous avez un objectif. Regardez en haut, c'est la barre jaune. C'est le nombre d'éclairs que je dois gagner en une semaine. Or, ça fait que un jour et demi que je joue. Parce que j'ai joué hier soir. J'ai fait tout l'entraînement hier soir. Et aujourd'hui, devant vous, je continue mon entraînement. Vous voyez ? Je suis essoufflé. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas. Bon, on va voir. Vous voyez, Kinect vous dit je vous vois pas bien, mais finalement il nous voit bien. Donc il ment. Kinect ment, faut le savoir. Lily, qu'est-ce qu'on va faire, Lily? Alors, quand vous savez pas, en général, on vous explique l'activité. Parce qu'il y a des exercices différents tous les jours, évidemment. Et les exercices que vous avez déjà faits sont ouverts. Après, vous pouvez aller refaire l'exercice que vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça raconte? J'aime bien les musiques. Un peu rigolote. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un dinosaure à ta gauche, tu feras attention. Cet entraînement s'appelle charbon ardent. Ouais. Il nécessite de l'énergie et un jeu de pied rapide. Ok. Suivez le rythme autant que possible. On va s'échauffer en sautillant. D'accord. Je compte sur vous. Donc là, je suis mon coach. Elle a des vilaines jambes.
Mais je pense que c'est le... C'est ça. C'est ça, t'as des vilaines jambes, hein. On va tenir dans 4, 3, 2, 1, au coup. Ok. Rester en vie. Rester en vie. Si je fais une crise cardiaque devant vous, les gars, ça sera beau dans l'histoire de la télé. Ouais, ah pardon, je ne suis pas coach, excuse-moi. Quoi, rebond? Rebond. Allez, on change. Donc regardez, c'est comme si vous aviez un coach à la maison, avec des jambes affreuses, mais quand même un coach. Non, alors pour ça, des charges, je pense que c'est un problème de vidéo. Quoi, quoi, quoi? Ok, on accélère. Oh là là, mais je peux pas faire ça. Je suis trop vieux. Attention. Ça va pas durer 3 minutes. Climax, faut que je fasse ce que je veux. Je saute sur ces trucs. Quelle heure il est? On a encore le temps, c'est dommage. Ah. On respire bien tranquillement. J'essaye. En même temps, je fais des missions de télé, tu vois. Alors, on peut pas tout faire bien. Les bras. Quoi? Rebond rapide, on y va. Rebond. 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 Ok, doublez le rythme, on respire. Hop, hop. Changez, changez. Et on ralentit. C'est vraiment comme si vous aviez un coach à la maison, en fait. En haut. Que... Allez, tendez la jambe arrière. Et ouais, deux fois plus vite. Oh. Je peux pas. Je peux pas, madame. Allez, je peux pas. Je suis trop vieux. Voilà. Viens, mot du docteur. À quoi le climax? Je sais même pas comment ça s'arrête. Attendez, on va changer d'exercice avant mon décès. Si seulement j'arrive à trouver une manette. Voilà, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, une manette. Ouh. On va passer l'activité. Excusez-moi les amis. Et on va aller on va aller en faire une autre, bien sûr. Normalement, vous avez vu, c'est 2 minutes et quelques. Du coup, j'ai pas de points. Hein. Pourtant, je me suis démené. Je mériterais quelques petits points. Ah non, il est horrible celui-là. Je vous le fais voir, mais c'est celui que je déteste le plus. 2 minutes. Il faut aller jusque sur la lune, en fait, d'accord, en sautillant sur place. Et c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et j'arrêterai après en allant faire encore pire. Pourquoi je me suis mis dans cette galère? Alors regardez, hop, et on saute. Et on saute pour gagner de la hauteur. Voilà. Sauf que on va sur la lune, et que la lune, c'est pas à côté. Et que moi, au bout de 800, j'ai plus de gens. J'ai plus rien. Je suis en train de la mort. Et j'entends ma petite femme à côté qui se fout de ma gueule, bah ça fait pas tellement plaisir. Alors regardez, là, c'est une sorte de shoot them up. Il faut que je dégomme les trucs et déployer mes ailes. Donc quand même, mine de rien, ces petits trucs vous permettent de vous reposer un peu avant de réattaquer votre ascension pour la Lune. Ma femme est contente parce que pour une fois, elle me voit faire du sport. C'est pas tous les jours. Bon, vous avez compris le principe, hein. C'est pas la peine qu'on aille plus loin, on est d'accord. Ma femme n'assiste jamais au tournage. Mais là, évidemment, il y a moyen de se foutre de ma gueule. Donc, elle est venue. Très bien. Vous ne la verrez pas. C'est comme Madame Colombo, on la voit jamais. Elle préfère pas savoir qu'elle est avec un imbécile comme moi. C'est quand même logique. Elle a une réputation à tenir. Oui, oui, je m'en fous de mon replay. C'est pas grave. Oh, ce que je vais retrouver, c'est mes poumons, surtout. Alors, on va passer l'activité. Et je voudrais revenir... Je voudrais vous faire voir d'autres... C'est ça, moque-toi. Je voudrais vous faire voir d'autres trucs. Alors, vous voyez, on peut aussi se balader dans les menus à la main, ou enfin avec le joystick, je suis perdu, excusez-moi. Ça marche même mieux, évidemment, avec le joystick. Dommage qu'on puisse pas faire l'exercice à la manette. Alors, allons-y, je vais reculer un peu, il reste encore quelques minutes. Donc vous avez des parties rapides, ça c'est bien. On peut faire des défis et de l'entraînement. Il faut avoir des défis qu'on n'a pas vus parce qu'il y a vraiment des trucs très rigolos. Et bizarrement très crevants. Je vais faire ça. Je vais faire des abdos. Donc je vais me mettre par terre. Donc regarde, si tu veux bien me suivre, je vais essayer de me mettre par terre. Regardez bien, on va nous expliquer la position. Il faut s'allonger, ça fait travailler les abdos. Alors que ça n'en a pas l'air du tout. Est-ce que j'ai un replay? J'aime bien mettre le replay.
Voilà, je vais mettre celui-là. C'est comme ça, au moins, je pourrais peut-être battre mon propre record. Voilà, allons-y. Donc là, je vais diriger une sorte de joystick avec mes mains. Évidemment, tout ça compte le nombre de calories que vous avez dépensées. Donc regardez, je dois me maintenir en appui en arrière. Donc vous voyez, ma position, ça a l'air de rien, mais c'est pas facile à tenir. On baisse les genoux. Bah oui, je fais ce que je peux. Je sais pas compris si c'était à droite ou à gauche, parce que je vois pas trop où sont mes mains. On baisse les genoux. Là, je suis là. Donc voilà, dans cette position, il faut que je maintienne. Donc là, ça force mes abdos, forcément. Il faut que je sois un peu incliné vers l'arrière. Et le viseur, je l'amène sur ces bestioles pour essayer de les tuer. Voilà. Autant vous dire que c'est un cauchemar après ce que je viens de faire. Donc oui, là je commence déjà à bien transpirer et ça fait qu'un quart d'heure que je joue. Je pourrais jouer un quart d'heure par jour pour pouvoir être à peu près dans les objectifs et battre les boss de fin de niveau qui sont les coachs que vous avez vus tout à l'heure. Ah, voilà le chat qui vient m'aider. Viens, on va faire des... On va faire des pompes tous les deux. Tu veux pas? Oh là là, bon tant pis, il me servira de serviette éponge pour m'essuyer une fois que je serai vraiment totalement en sueur. Bon voilà, ça marche pas très bien mon truc. Donc on va essayer les pompes. Hein. On va finir en beauté. Je sens qu'il va être court ce chez Marcus, exceptionnellement. Voilà, je vais quitter. Et on va aller faire des pompes. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce que vraiment, c'est assez spectaculaire. Et ce qui est très bien fait, donc voilà, vous voyez à l'écran, donc ça motive vachement. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez vraiment l'impression de faire des pompes, par exemple. Je vais vous les faire, pompitop, voilà. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que je fais des pompes, il va me rajouter des objets sur le dos. Voilà. Alors regardez la taille du le coach, eh ben, il a pas l'air bien gaulé, pourtant il est plus fort que moi, croyez-moi. Allez, je vais charger mon replay une fois de plus pour être sûr de pouvoir battre quelqu'un. C'était mon premier essai. Voilà. Donc là on voit la vidéo de la victoire que j'ai que j'ai péniblement. Je me fais pitié tout seul. Ça va mon gars, c'est pas trop dur. Si t'en chies, hein. Ah t'en chies, là c'est dur, là c'est dur. Eh ben ça va être pire. Ah ben voilà, ça là, il s'est arrêté. Allez, on y va. Donc je me mets en position de pompe. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous les petits amis de l'OF ? Du sport, quand même. Vous m'avez dit un jour, tu feras du sport à la télé. Alors c'est parti, hop, regardez. J'ai au-dessus de moi des objets qui sont de plus en plus lourds à chaque pompe. Et croyez-moi, là j'ai vraiment l'impression d'avoir 40 valises et une borne d'arcade sur le dos. C'est vraiment... C'est vraiment... La sensation qu'on a. On bouge plus. On recommence. Alors, on peut tricher, hein. Je le dis tout de suite. Ça marche aussi. Hein. Il vous autorise, il le dit. On a le droit. Maintenant, je suis quand même une Jeep sur le dessus. C'est pas évident. Un éléphant. Et ma femme qui fait son côté. On bouge plus. Allez, les dernières, j'essaie de les faire. Oh, allez, on est reparti. Les faire en vrai. Oh, je ne peux même plus regarder l'écran. Oh, un éléphant, un tank. Je bouge plus. Je bouge plus jamais. On va m'enterrer avec un tank sur le dessus. Voilà, allez. Les dernières, il y a encore 25 secondes à tenir. Celle-là, je fais défaut, ça. Sinon, je ne tiendrai pas. Ah, on bouge plus. Ah, mais je vois plus l'écran du coup. Donc forcément. Donc voilà, bon, vous avez compris. Shape up, petit truc pour se remettre en forme avec un vrai suivi. Où au fil des semaines, vous allez pouvoir voir vos exploits. Ça y est, c'est fini là. Petit coup de baleine. Voilà. Vous allez pouvoir voir vos exploits. Et perdre, évidemment, j'espère, du poids et prendre des muscles. Regardez ça, je sais pas si vous voyez, mais je transpire vraiment, c'est pas pour de la blague. Habitude testeur de jeux vidéo, on est payé pour jouer, c'est sympa, mais là c'est physique, hein, on va dire. Voilà, bon, encore une fois, en plus j'ai perdu et je suis rétréci. Je suis absolument dégoûté. Bon, très bien. Encore une fois, quand on joue chez soi, on ne parle pas comme je l'ai fait pendant tout ce chez Marcus. Donc c'est quand même plus facile, on a plus de souffle et tout. Mais c'est quand même bien crevant et sous prétexte de s'amuser, finalement on fait vraiment du sport. Donc je vous recommande, Shape Up, les petits amis,
Soyez sages, entraînez-vous. Vous avez vu ce que ça donne. Je vous enverrai peut-être des défis, on verra si vous arrivez à me battre. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais prendre une douche. Ciao.